Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous soit favorable. Enseignement, la mise aussi la quatrième parole de Jésus-Christ à la croix. Tout ça précisément dans l'événement où ils ont l'an d'Angoana. Tout ça dans la ténèbre, il y a 3 heures. Où il y a Baki, Nakota Lissama, quand le Seigneur était sur la croix de Golgotha. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Tout ça, Kobana Yango. Après, tout aussi, ma voile, où il y a Pasukaki. Bongo, tout est dans la cinquième parole. Que le Seigneur vous bénisse. Tobondeli, Seigneur Jésus, makasi na biso nyoso utake pai na yo, na biso moko tokokite, nous avons besoin de toi. Tozana posa na yo, oye bana ko enseigner biso na tango oyo. Nyoso yote za la musique au nom de Jésus, on te recommande ce temps Saint-Esprit, enseigne-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Tozi mukanda ya Luke chapitre 23, tobani na verset 24 tokiti. Ah, écriture lobby. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers. Tokozonga moi si ma mukie si ma penzate mais tozozwa eloko moko tokosala moi ndambu ya rappel par rapport. Il y a enseignement qui est passé, Matthieu 27:44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Ok. Total ici, na mbaleliki les brigands, ou ils vont finga le Seigneur. Tout le na Bible, au commun des cas, parmi les brigands, wana moko. Andimaki moko aboyaki to sto saki couleur na yango mais awa balbiki bongono somi balé bayebaki na ko insulter tango moko zo ndiba moko zo boya eza na couleur nango to sto pesaki yango mais tango pe bango mi balé baza ko insulter wana pe eza couleur mususu ke le sene benis na bango mi balé ba briga wana to yaki ko benda mukanda ya Jean 10 et si ka le seneur azolo bake Bato no subayaki avangai bazalaki ba brigand na ba voleur. Je crois le Seigneur a lobi yango na mukanda ya ya Jean 10 soki na koki koluka yango a lobi yango na mukanda Jean 10 chapitre 8 tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés. Ok, que le Seigneur soit loué. Ah, ouais, le Seigneur a dit que Bato Bayaki Liboso Naye, Baza ba brigand, pe ba voleur, ba brigand Bayaki Bangote. Ok. Tant au Kenya, Osé chapitre 6, verset 9, il dit la troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Nous avons compris que les sacrificateurs ne sont pas brigands. Or, les sacrificateurs se servaient de la loi. C'est pour dire que les sacrificateurs sont des Koboma. Tout le monde a dit que les sacerdotes lévitiques, la loi de Moïse, et Biki Sakite. Pour questionner tout le monde, la loi de Moïse et Bandai Koboma. Donc, tant tout le monde a brigand, baza koboya le seigneur et tel sa les sacrificateurs les sacerdotes lévitiques mobimba ou cela qui d'accord na loi ya seigneur Jésus-Christ que le Seigneur bénisse par rapport ya ténèbres to pesa ki d'aspe aspe li boso to pesa ki to loba ki ke ténèbres ou ya ki quand le seigneur était sur la croix de Golgotha to talisa ki ango ko talisa ke ou ko remarquer ténèbres ne zo banda na 6h et ko souka na 9h et pas na biso a weza 12h et kusuka na 15h. Omoni, c'est pour dire que la mukolo wana journée et bagina ko connaître ba butumi balé. Et bagina ko connaître butumi balé pourquoi toi ba butumi balé pour toi que ténèbres et pas ya nzambe et symbolise rapé butu. Selon Genèse chapitre 1 verset 6-5. Genèse 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y un soir et il y un matin.
et fit les premiers jours. Moni babi Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. To moni balamoko ténèbres c'est la nuit. Ce que tant aux mona Jésus-Christ sur la croix ténèbres zoya il ont tel sa boutou. C'est pour dire que c'était la nuit. Boutou de kotaki. OK. Mais vous remarquez que boutouana et qu'on dirait 3 heures et qu'on si là 16h, 17h, 18h, hein, boutou, ce quoi, boutou, et kokota. C'est pour vous dire que ce jour-là, il y avait deux nuits. Nuit à Liboso, yango wana zalagi de 6h à 9h, donc, ce qui te retient par rapport à un abisso de 12h à 15h. Après, ne boutou, ce quoi, yo, y'a boutou, et y'a kokota, partir à 18h, à 19h, dengue, et y'a kokota wana. Donc, le Seigneur a koufaki, c'était pour accomplir l'écriture qui disait que na Égypte tabagolia moi n'empaté à cause de la immolée entre les deux soirs. Vous voyez, c'est là qu'il pour accomplir cette écriture que l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Or le véritable agneau vous allez qui immolé entre les deux soirs, c'est le Seigneur Jésus. Tant vous voyez Jean-Baptiste Amonier à lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors Jésus, comme l'agneau de Dieu, à quoi que bouc écriture, il fallait qu'il azala immolé entre les deux soirs. Soir à l'Iboso, et bandit entre 6h à 12h, hein? 6h à 9h, soir à mi balé, ne e koyawan. Tu expliques qu'il y a un bongo, kolo yesu, abba molaviso. Tu as coupé ça à soir mi balé, y a molili, kolo baker. Dans Lévitique chapitre 2, on a besoin de son makambu ya gâteau ou salami na poel. Na gâteau ou salami na four. Poel, si je ne me trompe pas, Ezaki Kalungu. Poel, Ezaki Kalungu, ou bazo kalingela, biloko. Mais tandis que four, tu es four bien. Ok. C'est pour dire que tant que balamba kabloko na kata four, bakota kabloko na kata four, babomba na kata four, et que magasu kebeli. Yango to lobaki ke. Selon Lévitique chapitre 2, bakozala no farine wana et kozala sans levain. Donc farine bakosala la gâteau to pain, il faut kozala sans levain. Que le Seigneur nous bénisse tout dimaka que Jésus-Christ yemo kozala ka gâteau. Jésus-Christ yemo kozala ka lipa. Jésus-Christ azala ka gâteau pe Jésus-Christ azala ka lipa. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Oui. Yemoko Jésus aza gâteau pe yemoko Jésus azalaka lipa ko le so pambo la biso yango ko remarqué mukolo ya consécration ya Lévi mukolo la consécration ya Lévi babanda ko pesa ya Lévi kitunga moni banda ko pesa Lévi kitunga soki kitunga banda ko pesa ewana babanda ko tia dat ba galette na kati wande kocha ba galette na kata kitunga wana so kotali yango eza na Lévitique chapitre 8 hein? Ah, il prit aussi la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau sans levain et gâteau de pain à l'huile et une galette et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite moni awa mukolo ya consécration à Lévi. Na mukola consécration à Lévi, babandoko kamata corbeille de pain sans levain, nakata corbeille wana, do corbeille wana, babande kocha un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile, et une galette. Omoni, bazo kamata gâteau, na galette, baocha nakata corbeille mukola consécration, bazo pesa Lévi. Bazo pesa Lévi. Yango to lobi ke, Lévi ya solo c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était venu sur la terre, azala ki gâteau, azala ki pe galette. Quand Jésus était venu sur la terre, yemoko azala ki gâteau, yemoko azala ki galette. Or gâteau par rapport à galette, ezala ka munene. Galette par rapport à gâteau, ezala ka muke. Vous voyez? Gâteau ezala ka munene, galette ezala muke. C'est pour dire que les vindenga azala ki wana. Tout ce qui s'est passé pour la consécration, et bien, dès qu'on annonçait les hauts et les Seigneurs Jésus-Christ à Kosala. Donc, Jésus-Christ venait sur la terre, il y a un monde qui est véritable Lévi, donc il y a un monde qui est gâteau, et il y a un monde qui est galette. Tu veux dire que gâteau est la mounène, galette est la mouquée. Tant que mon a Jésus, le col à gâteau, tout le monde a Jésus comme le Père. Tant que mon a Jésus comme galette, tout le monde a Jésus comme le Fils. Hein?
Donc, gâteau, na galette, vous pouvez saler pour la consécration. Et tel sera le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme le Père, le gâteau, comme galette, le Fils. Ok. Double nature, vous allez quatre naïe, loco la nzambe, loco la moutou. Pour le soir, le Lévitique, il dit, c'est ce qui est galette, wana, il faut la farine, moko, ou ekozanga levire. Ou ekozanga levire, vous voyez? C'est ça le Seigneur Jésus-Christ Azoya na sa mabele au katine levire za la kité yango ko tuna baye ka wo sa pharisien qui de vous me convaincra du péché. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ venu sur la terre, il était sans péché. La raison pour laquelle vous remarquez que ba ko lexé pas Caïphe, ko le capa Anne, ko le capa Rodo, ko tambola ti ba Pilate ba ko vérifier yé ndé na souka Pilate lo ba ke na moni crime moko katine était. C'est pour dire que za la ki sans tache. Vous voyez, Azalaki sans tache, sans levure. Levure, c'est une explication belle, mais à tous, on a comme le péché. Farine sans levain, c'est ça le Seigneur, ou Aya qui n'a pas ma belle, Azalaki sans péché. Bon, que farine, on a la pétri d'huile. Pétri d'huile, c'est pour dire que bazo zo farine, bah tiens, on a quatre bassins, on a quatre bassins de sika, bah on a huile. Bah, par contre, on a huile, na kati a bassin. Kobo, ça n'a été que bassin, c'est la rapé moutou mobimba. Bassin, c'est la moutou mobimba. Patana, on a bassin, na zo zwaga, notre sœur Marie. Pour moutou, c'est la rapé sani. Bassin, en fait, c'est la sani. Pour moutou, pas la sani. C'est pour dire que le Seigneur Jésus était petit d'huile, banda, le sein de sa mère, banda, le boumouya Marie. Azala qui est déjà rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Omoni, Azala qui est baptisé de l'Esprit, banda li boum ya Marie, c'est ça, le gâteau ou la galette ou la farine pétrie d'huile. Donc, banda li boum, Azala qui est bongo. Et puis, il était arrosé d'huile. Omoni, gâteau, on a donc avec l'ambama, et il y a eu balé. Mbala liboso, il faut ezalana nou na kati ya bassin et huile huile ndé mbala mi balé ba koyeba na ko arroser yango. Donc tu dis que le Seigneur Jésus dès le ventre de sa mère, il était déjà à Marie, il était déjà revêtu de l'esprit, il était déjà rempli de l'esprit moni dès le ventre azala ki nango déjà. Mais que si la té tango akoya ko bima mkola Juda to moni lisusu azozala susu arroser d'huile. Arrosé d'huile plaçoana. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nde, bako kamatasiko gatoana, bako tsango na katia four. Tango bako tsango na katia four, bako lamba yango, bako lamba yango, bako lamba yango, bako lamba yango, bako lamba yango. Soki beli, nde bako bimisa, bako pesa batu siko yo, et loko yakolia. Yango tobi ke four, tango bako tsaka gato to galette na katia four. Makambo eleka na kati ya furu kuna bino libanda koto bozo mona ngote bino libanda koto boyebi ya ngote bino bozo zela kaka tango lipe kobima nde bokolia ya onto bi ke l'œuvre de la croix c'était tout une four moni four tango bozo kota gato na kati ya furu bakangi ce qui se passe à l'intérieur boyebate ya onto bi ke l'œuvre de la croix c'était tout une four. Voilà pourquoi les ténèbres yaki butu wane yaki pona obaka ke œuvre de la croix ezala ki tour mobimba. Au monde, il y a un cas de four, on remarque que moto est à la ca. En fait, que gâteau est bien, bien pour Batoubalia. Parce que moto, aux obéis à gâteau, et telle sa souffrance n'y a pas sur le Seigneur, et qu'il n'y a pas la croix. Ma souffrance, on a n'y a pas, et y a qu'il n'y a pas de gâteau, le Seigneur, a bien la malamou, en fait, que le jour de la Pentecôte, a la servi. Parce que vous remarquez que ténèbres, moko y a qui ont. Parce que ténèbres, yo, n'aspect autre, expliquer qui peut ténèbres au point de côté, c'est que ce qui s'est passé à la croix, c'était tout un mystère. Parce que tu dis que gâteau, tant que vous avez un cata four, ou il est un cata four, qu'on a monté évité. Ou il est un cata four, qu'on a monté évité, si comme quoi, on a mis en haut, bah, et on te dit que voilà pourquoi les ténèbres devaient venir à la croix de Golgotha. Ces ténèbres, wana, ou à qui la croix de Golgotha, ils ont là qui, pour dire que ce qui s'est passé là, c'était tout un mystère. Moutoumoua et Bakiangote. Même ba Paul et ba Pierre, ba Paul, tout ce qu'ils regardaient, ba yeba kité au juste qu'est-ce qui s'est passé. Mais en vérité, tu dis que c'était un gâteau ou une galette, ou ils ont là qui na préparation na katia four. Alors, moko la Pentecôte, à Béli, ne ba komi ko servir ye, biso depuis le jour de la Pentecôte, kino lelo, to za ko liaye lelo. Que le Seigneur
Jésus-Christ nous bénisse. On a deux aspects, tout ce qui par rapport il y a ba ténèbres, ou ba qui na ko le kawana, ko le sapa mbola biso, le lo to lingi peto ba ki sa ba aspect mususu. Pour to ko s'éterniser à waté. En tout cas, je crois ou après séance yo ce qui nzamba ko sunga le loza mardi après séance yo, je crois par la grâce de Dieu, jeudi ndeto ko simba élément ya suka na kati ya 4e parole à Jésus-Christ bongo to ba na kota na 5e parole parce que to umeli penza mingi ao to promettre que na basantu ke ba thème ya koloba eza ebele ba demande ba thème kutu eza ebele ba thème ba koloba eza ebele o esengeli to ba na kolobela que le Seigneur le bénisse tous unique. Luc chapitre 23 verset 45, c'est un élément très important pour vous appeler sur la Luc 23 45. La Bible dit, ok, dans le verset 44 à 45, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Dans le verset 45, le soleil s'obscurcit. Problème nabiso toujours aussi banane. Ah, moi et komaki molili. Cela veut dire le soleil était là, mais le soleil et komaki obscurcit. Ok, na luka yango s'il vous plaît, vous supportez biso. La Bible nanga lingala na zona ngwao. Luc chapitre 23 verset 45. S'il vous plaît. Luc 23 verset naïe. Verset naïe 45. OK, supportez-nous. Tozo luka yango. Bible lobi boye. Le soleil s'obscurcit. Rido monene oyo ezalaka na ndako ya Nzambe na liboso ya esika eleki basantu epasukaki na katikati. Ok, aba lobeli yango te na Biblia lingala awa babi ke le soleil s'obscurcit. C'est pour dire que moi ebandaki nanu kopela, moi ebandaki nanu kongala, moi engali mais na 6e heure tomoni soleil akoti molili à s'obscurcir. Cela veut dire soleil à côté molili molili et zipiki soleil. Soleil et l'inko l'obate que soleil azatite soleil azali, mais seulement molili et zipiki soleil. Moyen comme on a le sous soleil azate. Mais n'engue soleil à côté nakata molili wana, à côté nakata molili libelate. À côté nakata molili pour combien de temps? Pour 3 heures. Après 3 heures, soleil a reçu la sous nini à kobima. Moni, soleil a reçu la sous nini. Akobima. Ok. Tozwa sukora kata makomi. Tozwi. Futoi basko soleil. Azanani. Soleil azanani. Tozwi mukanda ya pona kotali sa kisekwa uki soleil azanani. Tozwa na mukanda ya psaume. Psaume chapitre 84. Poza na motei mokwa teya. Alubike moi ayoka kiswe kipe. Mokeli soni aboya kisoki pe kokate e koma matizan ekritite. Psaume 84 verset 11 na ba verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Ah, c'est ce que l'Éternel Dieu est un soleil. Omoni to comprendre vraiment que Nzambe nde azalaka moyi. Nzambe nde azalaka moyi. D'ailleurs ba verset akotali sa divinité Jésus na kata Bible eza ebele. Nzambe nda zalaka moyi tangu okoyana mukanda ya Luke chapitre 1. Luke chapitre 1 verset 78 ou remarqué kuna zakara zoyemba lobi grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil nous a visité d'en haut. Ici on présente le soleil comme le Seigneur Jésus par rapport à Nzembo tant j'ai baptisé Zakara Zoyemba. Tu comprends que Jésus c'est lui qui est le soleil. Or soleil na psaume 84 verset 12 la Kanzambe, mais na Luc chapitre 1 78 le soleil c'est Jésus. C'est pour dire que le Seigneur Jésus a Nzambe. D'ailleurs à vous confirmer autant en matin en montant la transfiguration en Matthieu 17 le dit que longi na e komaki lokola moyi. C'était déjà la confirmation pour dire que le soleil ils ont la candeille, vous voyez, le soleil ils ont la candeille.
Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur est à la carte. Remarquez maintenant, soleil bande kungenga. Ça veut dire que soleil a sali marche, moko ba sali marche, moko ba sali marche, moko boye. Mais à un certain temps, molili il faut eya ko zipikae. Molili ko zipika soleil. Mais molili ko zipika soleil pour na libelate. Molili ko zipika soleil pour na 3 heures. Après 3 heures, soleil a ko réapparaître kobima. Ça veut dire que le soleil est plus fort que les ténèbres. C'est pour dire que le soleil a l'équipe ténèbre. Ta ténèbre a couvert le soleil, mais le soleil a longa kaka ténèbre. Que le Seigneur bénisse. On dit que le Seigneur, le soleil a kota, mais le soleil a couvert basus na kubima. Ok, tu expliquais déjà le soleil. Remarquez, le soleil marchait, le soleil brillait. Mais il faut molile et zipikae. Ta molile et a zipiki de le soleil s'obscurcit ici. Donc molile et. Soko taliboye, oko remarque, on dirait que molili a longi soleil. Mais en vérité, longi soleil te, c'est pour 3 heures. Après un temps, soleil osa nini, awe ban robima. Remarque, kritir mozo tali sabiso boye. Na mukanda ya Ecclésiaste. Tozo na mukanda Ecclésiaste, tozo tala ekritir moko elobi awa. Ekritir elobi nini, ekritir elobi boye. S'il vous plaît. Ok. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. Et je vis que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. On dit que la lumière a un avantage sur les ténèbres. Or, quand on voit le soleil, on voit la lumière. Vous voyez, on voit la lumière. Mais tout le monde a ténèbres pour couvrir la lumière, qui est le soleil. Gloire soit rendue à Dieu parce que l'écriture est chez l'Oba déjà à Wana Ecclésiaste chapitre 2 verset 13 que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'était déjà pour dire que même à ta bomoni, ténèbres, et y'a qu'au couvrir soleil, bomitungi sate, et qu'au longa lumière te. Lumière au sanini, et qu'au longa yamou. Moni, événement aux autres qui s'est passé au yo, et ben déjà qu'on annonce marche à notre Seigneur Jésus Christ. Parce que c'est lui le vrai soleil. C'est lui la lumière. D'ailleurs, il y a mon cas que je suis la lumière du monde. C'est lui la vraie lumière. Mais, il faudra qu'il ténèbre mon koboye et a kozipikae. Kobo, ça n'a été que ténèbre, tout si total ici, yango déjà. Namukanda Genèse, chapitre 1, verset 5, comme la nuit. C'est pour dire que les seigneurs, vous voyez, c'est comme dire que les seigneurs, comme le soleil, il fallait qu'il molili et a kozipikae. Et c'est que là qui ténèbre ton boutou et à cause zipikaye. Mais merci Seigneur, bouton que ça l'aura pendant 3 heures, mais qu'aussi il est écouté qu'à la liberté soleil a couru apparaître. Cela annonçait déjà la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Nous prenons ces ténèbres là de 3 heures, la nuit de 3 heures, comme les 3 jours que le soleil et c'est que là que ça en accate à tombe. Moni, le soleil, c'est que ça la 3 nuits, hein, 3 jours, nakata tombe. Pour, ici, nous interprétons les ténèbres, nous interprétons le ténèbre, la nuit, comme la mort. Parce que ce qui le Seigneur a l'obi, ce qui le Seigneur a l'obi, c'est je suis la lumière du monde. Je crois, et ça, noir sur blanc, nakata Bible, le Seigneur m'a l'obi. Abi, je suis la lumière du monde. Ok. Et vous allez malam, on appelle ça écriture. Le Seigneur a l'obi, je suis la lumière du monde. Ok. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Moni? Ok. Ce qu'on est dans Jean 9, 5 par continuango, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ok. Si Jésus est la lumière, on a expliqué ténèbres, l'anda malam. Si Jésus est la lumière, alors les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ennemi. Remarquez maintenant, Jean chapitre 1, toke malem malem. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, nakiti, na verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, nous avons compris que la lumière c'est la vie. Alors si Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est la vie, c'est pour dire que les ténèbres c'est la mort. Au moni. Toujours qu'on interprète les ténèbres ici comme la mort, parce que Jésus a dit qu'il est la lumière.
il est la vie. Si Jésus est la lumière, Jésus est la vie. C'est pour dire que les ténèbres, c'est la mort. Que les sœurs bénissent. C'est pour dire que les ténèbres, c'est la mort. Ténèbres, ça, liwa. Et on te dit que tant que nous avons soleil, nous tambola, molili zipien au panda, 3 heures. Molili, c'est la nuit. C'est le Genèse 1:5. Et ben, déjà, qu'on annonce la mort. Oui, qu'on y a un simba, le véritable soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pendant 3 jours. Mais attention, et qu'on met la bongo libellate, mais et après 3 jours, 3 heures, aussi là, enfin que l'imère salanini, soleil a réapparaître. Ce qu'on bima sous le soleil, oyo, c'est ça la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton dit ma guerre, qu'on bima à Jésus, na tombe, et ça la rappelle levé du soleil. Oui. Remarquez, s'il vous plaît, tous les pays sont écritures moko pour confirmer ça. Olimbi si tous les lukayango, tous les pays sont écritures moko pour nako appuyer yango. Je crois que ça namukanda il y a Marc. Ok. Tous les Marc 16:2. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Nabaneli. Les premiers jours de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de s'élever. Ici, il est question de la résurrection. Bango bazo kende na tongo, pour que nous parlions le Seigneur. Or, le Seigneur, ça c'est quoi qui? Mais ah, bazo lo bake, comme le soleil venait de s'élever. Au moins, tous l'élévation à soleil, au tombe à soleil, oyo. Comme aussi la résurrection. Bango bazo kende kota la le Seigneur. En vérité. Muto yo bobanda kende kotala na tombe c'était le soleil. Moni les femmes muto bakende kotala na tombe wana les disciples bakende kotala muto bakende kotala c'était le soleil. Or yeba ke le soleil kota ki mesengela ki le soleil telema. Yango munta bazo kende na tongo premier jour de semaine na tongo nde balobi ke comme le soleil venait de se lever nde bango bakeya. Moni ko tombe ama ya soleil balobi le bande ko annoncé véritable élevé, il y a vrai soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un tobi que tant que nous sommes 3 heures, et bien là qui a annoncé que le véritable soleil a kokota na séjour de mort pendant 3 jours. Hein? Pour te expliquer, nuit oyo comme la mort. Vous voyez, tout ça comme la mort. Mais et que souka bongote a kose quoi? Ni lever soleil pour soleil et zinda ki libela te c'est quoi qui yango nazana esengo makasi na pokwa lelo ya ko nazengo makasi ko yebisa oke quel que soit le problème n'aie pas peur parce que le soleil avait vaincu la mort. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok, nous continuons notre enseignement par la grâce de Dieu. Ok, tozui le roi toujours de la ténèbre, tozui Exode chapitre, tozui Exode chapitre 17 Tokiti. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais ils y mit des vers, et cela devait infecter. Moïse fit hériter contre ces gens. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Ok. Toujours remonté le sous-sous, tout le cap. Voilà moi l'icolo. S'il vous plaît, Tobanina verset 10. Et étendit à reparler, s'il vous plaît, verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous ramasserez des pains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les soirs, il servit des cailles qui couvrirent les camps. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la galette blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce qui c'était. Moïse leur dit,
C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homer par tête. Suivant le nombre de vos personnes, chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa tente. Ok. Verset 22. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double. Une quantité double de nourriture, des homers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent les rapporter à Moïse. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Tous à Colombie là, les ténèbres des trois heures. Il y a qui couvre le soleil. Tous à Colombie là, c'est pour dire que ténèbres, bien que couvre le soleil, mais soleil a colonga ténèbres. Voilà. Donc, à couvrir le soleil pour un temps, mais colonga soleil, t'es soleil à colonga et kak. Tu vois que le soleil c'est le roi, le soleil c'est le Seigneur Jésus. Ténèbres, t'expliquons comme la mort. Oui, il y a qui n'a pas le Seigneur Jésus, mais le Seigneur a colonga et a quoi bah n'a pas c'est quoi. Que le Seigneur nous bénisse. Tous en a écriture au Yaman. Tu vois que une écriture au d'explication expliquer ça est belé. En tout cas, oui, qu'il a besoin de peut-être beaucoup comme maquiller la musique, mais beaucoup comprendre que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Frère Paul, si tu montes que l'occasion soit bonne ou mauvaise, tu es en malam. À côté, na biso wa, ezana nganda moko tozo la masanga na bango, parce que musique na bango wana, mais biso tona katanda to kangi porte na fenêtre pour prêcher. Supportez nous peut-être beaucoup maquiller la musique wana. Supportez nous, nous prêchons l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Tu biques, tu vas aller à qui même quand tu tiques à ma belle, pour t'enzamba pambolio. Vous allez avoir un problème, mais le jour où nous quitterons la terre, nous aurons un bon abyss, nous aurons un chimie, que le Seigneur nous bénisse. Ok. Tout le monde, Israël, est en désert. Il y a 5 000 ans à Colia. Nous avons un peu de man. Mais, il y a un peu de man. Premier jour, vous avez une quantité de man. Deuxième jour, quantité de man. Troisième jour, quantité de man. Quatrième jour, quantité de man. Cinquième jour, quantité de man. Mais le sixième jour, beaucoup de quantité doublée. Pour Nanine, sixième jour, beaucoup de quantité doublée. Et que là, beaucoup de gens, sixième jour, ti na septième jour. C'est pour dire que mana premier jour, mana deuxième jour, mana troisième jour, mana quatrième jour, mana cinquième jour, ce qui est bon, bien, et le kaboutou, et que pour là. Moni, et que pour là. D'ailleurs, tout ce qu'on imaginait, imaginez parce que et comment mi awa verset 19 à 20. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il y mit des vers et cela devait effect. Moïse fit hériter contre eux. C'est pour dire que man ba lokota ki ba man ba bomba ki ango metta comme na butu et poli et boti ba vers et bébé. Donc boti ba vers et poli et bébé. Omoni, mais na sixième jour, ata et lali na butu, donc butu ezana makokia ko polisa ngote, butu ezana makokia ko bebisa yangote. Merci Seigneur. Nous interprétons la nuit comme les ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Bible lobby, vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir en elles la vie. Or, ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Yangote lobby qui est. Mana premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Oyo, ce qui va bombier en haut, boutou, et bande ko police, en haut, en haut, en haut, vers, et talis akapé, tous les prophètes de l'ancienne alliance. Oyo, ba longa ka boutou te. Ici, la nuit, nous l'interprétons la nuit ici comme la mort. C'est pour dire que ceux qui vont jouer mana premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, bombier en haut, vous voyez que manouana ekopola ekobota ba vert, c'est ça la victoire de la mort sur tous les prophètes de l'ancienne alliance. Omoni, même temps où David a zoyé mbaboye, David a zoyé mbalobi que tu ne laisseras pas le corps de ton serviteur voir la corruption. Cela veut dire au titre nous autres musulmans noté David l'a été prophète, mais frère Paul a lobi que c'est David là est mort son sépulcre et au milieu de nous et parmi nous. C'est pour dire que David a koufaki apolaki boutou et polisaki apolaki. Tous les prophètes de l'ancienne alliance bakoufa bapola. Omoni, l'humanité tout entière mutumo kwatikala ka kolonga boutou te. Awa na expliquer boutou comme la mort. C'est pour dire que soko zuman na premier jour bombi yango kopola.
man da jibu jobo miyango kopole eko koka kolonga butute kwa kotraverse butute donki butute kina makoki likola mani ya premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. C'est pour dire que la nuit, les ténèbres comme la mort régnaient. Voilà pourquoi Romains chapitre 4 verset 14, la Bible dit que la mort avait régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Tant on l'a pas jusqu'à Moïse, c'est pour dire que autant la dispensation pour Mbaya Mobeko, la mort régnait. Soko kufio kopola. Soko kufio kopola. Soko kufio kopola. Gloire soit rendue à Dieu parce que ça na man moko. Ouais, ça là-bas man nyoso te. Man wana. Eza man lokola man nyoso te ko bosa na te man au vent eza rendé lipa. Man tato mona man to mona ndé lipa. En ce moment, il y a des gens qui ont décortiqué la Katikuna, mais tant qu'on explique, on est sur les athées. Quand on voit la main, on voit le pain. Le Seigneur a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des alipas, il y a solo, il y a des manias solo. Mais on remarquait que, babi, que mania sixième jour. Bah, on le compte sixième jour combien? Doublé. Moko, bah, on est à la sixième jour. Monsieur, on compte à la baroti. Na septième jour. C'est pour dire que mania sixième jour est là qui doublé. Mais mania premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour est là qui doublé. C'est là qui manque. Mais mania sixième jour est là qui doublé. Or, n'oubliez pas, quand on voit les sixième jour, et tel ça rappelle les temps de la loi, hein? Et tel ça rappelle les temps de la loi où les gens travaillaient, parce qu'au temps de la loi, les gens travaillaient, mais les septième jour, c'est le temps de repos, c'est ça le temps de la grâce. Mais vous remarquez que babi mana sixième jour, ils ont la double portion. Et l'inkolobanine, mana sixième jour, tozui mukanda ya Galate chapitre 4 verset 4. Tu expliquer mana ya sixième jour. Galate 4 4, la Bible dit ceci. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. OK. Né sous la loi. Mana sixième jour et au tel ça le Seigneur Jésus-Christ. Oui, à Botama qui nasse à Mobeko. J'explique ici aussi les chiffres 6 comme le temps de la loi. Omoni, tout le monde a mané sur Botama na sixième jour. Car c'est nous, Botama na sixième, on a expliqué les chiffres 6 awa comme aussi le temps de la loi. Que le Seigneur bénisse. Par rapport à contexte de Oyo. Et tout à l'heure, c'est que le Seigneur Jésus-Christ qui était né sous la loi. Mais attention, bien qu'à Botama qui sous la loi, mais Azala qui n'a double portion. C'est très important. Mana premier jour, il y a une portion. Il y a un autre qui est là. Mana deuxième jour, il y a une portion. Mana troisième jour, il y a une portion. Mana quatrième jour, il y a une portion. Mana cinquième jour, la portion moko soke la leko pola. Mais mana sixième jour, il y a une double portion. Que le Seigneur le bénisse. Mana sixième jour, il y a une double portion. Ah, c'est ça le Seigneur Jésus qui avait sur la terre avait double portion. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, basé là qu'à une portion moko. Mais Jésus t'a envoyé qui n'a jamais belé qu'une double portion. L'humanité tout entière n'avait qu'une seule portion. Mais quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il avait double portion. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un moment dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, à lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire qu'il était homme, mais il était aussi Dieu. Mais, mais quand Jésus-Christ était venu, avec une double portion, et que le Seigneur le bénisse. Voilà pourquoi il est écrit, Batumi balé, balé qui malam koleka mutu moko. Omoni, na kulu ke kritiru wana, na expliquer à Mbangu, en fait que tu es banako continuer enseignement na biso. Je crois, ezana mukanda ya Ecclésiaste. La Bible dit, Toluka yango, s'il vous plaît, nous cherchons cette écriture. S'il vous plaît. Ok. Ecclésiaste 4, 9. Deva lumière qu'un. Parce qu'il retire est bon. Hein? Parce que. S'il vous plaît. Hein? Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon.
mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Merci Seigneur. Cette écriture par rapport, il y a premièrement, parce que l'écriture sur le banal, premièrement par rapport à Jésus et Christ. Jésus, tout le monde en zoto. Christ, tout le monde a la plénitude de la divinité, elle est quatrième. C'est pour dire que quand il était venu, il était double. Alors que je suis dans le Père et le Père est à moi. Quand il marchait, il était double. Le Père était en lui. Babi que ce qui m'a quoi, m'a quoi relevé mon inga. Merci Seigneur. C'est ça la mort de Jésus quant à la chair. Relèvement, c'est ça l'esprit qui va relever, hein, qui va ressusciter le corps, que le Seigneur bénisse. A koufa qui, quant à la chair, mais à cause quoi? Omoni, babi que, ni balé balé qui malam que moko. Ponenge ma otamborawana, atasoki a kouei, moko osanin, a kou relever mouninga. Yangozo monake, il était mort quant à la chair, mais par la puissance de l'esprit, a koueba, na kose quoi? Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse. Ok. Toke na ki kouna pona kota lisa ke, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il était double. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est là qu'il va portion, moko, nemana, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Il va portion, moko. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, bien qu'il était né le sixième jour, cela veut dire, abotama qui sous la loi, mais attention, tiazo botama na se a mobeko keba, à qui n'importe qui t'es. Bien qu'azo botama na se a mobeko, mais attention à une double portion. C'est pour dire que Azalaki Nzambe, Azalaki Moutou, la plénitude de la divinité, Evandé Katinae, à qui n'importe qui. Donc, bon Nzambe, Ezalaki Katinae, la plénitude de la divinité, Ezalaki Katinae, que le Seigneur nous bénisse. Mais vous remarquez que, Mana sixième jour, yango ate elali nango na butu butu ezana makoki ya ko police yango te moni butu era makoki ya ko police yango te mais butu e ba no police mana premier jour deuxième jour troisième jour quatrième jour cinquième jour mais tango ko mana mana sixième jour butu ezangi makoki ya ko police mana sixième jour c'est ça le soleil bien qu'ata molile ko zipika ngo mais soleil ko bimakaka parce que nous interprétons les ténèbres la nuit comme la mort. Merci Seigneur, c'est pour dire que Jésus Atakutu molili to butu, il avait traversé la nuit atikala kopolate. Merci Seigneur. Atikala kopolate. Azo traversé la nuit en fait qu'à kota na septième jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le septième jour. Que le Seigneur nous bénisse. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, nous sommes dans le septième jour. C'est pour dire que quand Jésus était venu, quand il était au monde en nourriture à sixième jour, quand il était au monde en nourriture à septième jour, c'est pour dire qu'il y a double portion, nous expliquons comme le Père et le Fils. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si tu varies connaissances, tu le dis que man à sixième jour, et en a man, quand il y a sixième jour, ils ont un mancat nango ya septième jour. Vous voyez, pour écouter na septième jour, il faut élonger boutou. C'est pour dire que et traverser boutou et polité. C'est ça Jésus qui avait traversé la nuit qui est la mort, mais à côté qu'à la copolaté, lui est qu'au long a été à qu'au ressuscité côté le septième jour. Et aujourd'hui, nous mangeons la manne du septième jour qui est la prédication du salut, qui est la prédication de la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok, mais ce qui est la nuance, c'est que Jésus-Christ, pour nous lier à Malamou, il y a double portion. Double portion, vous avez une manne à sixième jour, une manne à septième jour. C'est pour dire qu'en Jésus, nous retrouvons la manne du sixième jour et la manne du septième jour. Or, la manne du sixième jour, quand tout le monde a pour dire que Galates 4:4, il était sous la loi. La manne du septième jour, nous voyons la grâce, c'est ça, à la loi et au témoignage. La lettre et son explication. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire qu'ensemble, nous sommes aussi à la loi et au témoignage. Ils ont été à Maté, en tout cas, peuple de Dieu, dans quatre églises où on a sali et zate, dans quatre églises où on a vie et zate. Or, la vie est à quatre litères. Nous devons faire confiance dans le Seigneur Jésus à travers sa boutou. Boutou longa été. Boutou longa Adam. Boutou longa Abraham. Boutou longa Noé.
buto longa batutu basala basala ba miracle buto longa bango longa bango mais attention buto etikala ko longa le Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur buto longa été il est le vainqueur de la nuit que le Seigneur bénisse le Seigneur Jésus-Christ est le vainqueur de la nuit quand il entre dans ta vie a ko peso na tir na ye yo poko comme vainqueur de la nuit que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok, tu expliquer les ténèbres comme la mort, Oyo et Kokaki, Kolonga, le Seigneur te. Merci, toujours pèse à des écritures, Oyo, Tokoyeba, na ko chité par là, par rapport ya Lelo. Première écriture, Ezana Mukanda, ya Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. La Bible dit, et je vis que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ok. Tout si tu le qui na aspect wana, tout si mina na kresi wana, Ecclésiaste 2, 3, tout baki se lié, et loko msus. Po tuye ba na kushite wana, po na lelo. Tout zui mukanda ya Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Nabandeli, vous êtes la lumière du monde. Ok. Kuna Ecclésiaste ba bisi biso, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est pour dire que Jésus-Christ est comme le vrai soleil. Quand même les ténèbres pouvaient venir, mais Kolonga été a c'est quoi? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand la prédication de la croix est kotikati na biso, to komi pe ba lumière. Oh, que le Seigneur le bénisse. Tout comme peut la lumière. Tous les écritures, mon corps, pour nous parler ça, pour le Seigneur, il y a mon corps, le bique, vous êtes la lumière du monde. Tout bas ici, écriture, mon corps, ici, frère Paul Azoloba, frère Paul Azoloba, Ephésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Hein? Frère Paul Azoloba, répétez quand le Seigneur. Paul Baki, vous êtes la lumière du monde. Avec frère Paul Baki, vous êtes là qui ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Donc, en recevant l'évangile, en recevant la prédication de la croix, tu commis Bapoli. Vous voyez, tu commis Bapoli. Mais maintenant, la Bible dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. On a une aïe, on a pourquoi le lot? Kumi Sanzambe, Ndenge Oyambalitea, Okoma Poli. Ata Molili et Telemina Katavino Ndengenin. Yeba ke loko la Molili longa ki soleil ne koulou soute. Molile kolonga peyote. Soki molile longa ki soleil ne kulusu, molile kolonga yo. Me lokola molile tika la kolonga soleil ne kulusu te, molile kotika la kolonga yo te. Zala na kondima. Marche dans la vie de la prière. Marche dans la vie de la sanctification. Oui, ça peut arriver na kati ya marche, au bronché. Bible le bije, Israël, Israël. Est-ce que moutakoui ko beta li bakwa kwe, tika lika wana libela? Soki moutabeti li bakwa kwe, atika la libela te, il faut telema, atambola. Oui, peut-être nakata marche na yo faiblesse komaki. Oui, peut-être nakata marche na yo osalaki loko moko boye, sepelisa ki nzambe te. Tu avais péché d'une manière ou d'une autre. Oui, baki na kusumuka. Osalaki scandale pour les frères, pour les sœurs. Mais attention, tikalaka ya kokoya te culpabilité ko sayote rentre auprès de ton père a besoin de toi. Oui, bi culpabilité, c'est quelque chose au kangale loba na nzambe belé. Rentre auprès de ton père. Peut-être c'est là qui m'a bien mauvais. On a qu'on se poser des questions. Est-ce qu'un gars sur la bonne ligne Zambako Kangai, il est ton père? Rentre auprès de ton père. Confesse ton péché auprès de ton père. Prie ton père. Implore son pardon. Il te pardonnera. La Bible dit que rien n'est réussi à celui qui cache ses transgressions, mais l'Éternel Dieu fait grâce à celui qui les avoue et les délaisse. Vous voyez? Il est écrit si nous confessons nos péchés devant lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et pour nous purifier de tout essuyer. J'aime Jésus. J'aime Dieu. Quand il pardonne, il efface et il oublie. Batamukili bayemba balubike, ko limbi sa mutu, ezakobo sana, likamute. Ça, c'est une confession diabolique, satanique. Mupagano kanda kolo makamandengo na mebiso baranzambe. Quand nous pardonnons, nous oublions. Nous effaçons, nous oublions. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok. Na kende kanuna motali sa kere. Ce qui, moi, un bébé, quand vous allez, vous allez vous Nzambe, c'est un pardon, continuez à marcher dans Nzambe. Koba kongenga, molile koutika la kako longwa tam kolo mokote. Ato moni molile ye, ato moni molile zipiki yo,
Ezipiki bafer, ezipiki mariage, ezipiki musala, ezipiki makambo boye 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 boye. Continuez de prier. Yeba ke molili wana, yeko direka 3h, yeko leka 4h. C'est pour dire que les ténèbres de la croix, yeko direka ka 3h, yeko leka 4h, yeko koma na 4h, yeko leka ka 3h. Voilà pourquoi les Seigneurs Jésus-Christ, osala ka 3 jours na tombe, osala 4h, le 4 fois bima. C'est pour dire que autant moni ténèbres, autant moni yenenge nini zalana kondima, que ténèbres wana yana limite. Ténèbres wana za nzambi na ote, ténèbres wana za makasi na ote, ténèbres wana za mokonzi na ote. Aie confiance, aie foi, il avait vaincu les ténèbres, toi aussi tu es vainqueur, tu es plus qu'un vainqueur. Quel que soit le lenge ya ténèbres yango yeliyo zalana kondima okolonga yango, aussi olonga yango zalana kondima ekuleka pe komona kembo nzambi. Tombola kondima na makasi. Même si les choses ne marchent plus bien, ndenge bandai ko tambola ou tambola souste. Même si maladie koti, même si pauvreté koti, même si kozange koti, aie la confiance. Tu es la lumière, les ténèbres. Écoutez, la Bible dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. C'est pour dire que les camboyons n'ont pas l'ouana, ils ont l'avantage du colon à yango. À la croix, cela a été vaincu. Toi aussi, tu seras vainqueur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, pour aller là, tout ce qui boye. Prochainement, tu es au Simba, dernière séance au Tikali, dans la 4e parole de Jésus, pour tu es dans la 5e parole. Naibi ke ténèbres na ba couleur belé mais to vanda ka wala to expliquer ka ba ténèbres wa to vanda ka wana te bien ke ba couleur ko expliquer ze belé wana to se peut to pesa ka ba se peut to pesi to leka na makam so parce que makam ko ba na bible ezali e belé ke le Seigneur bénisse ba numéro na so ezali +243 89 860 88 75 +243 s'il vous plaît, Bolimisanga et Nabandela. +243 89 860 88 75. Voilà le premier numéro. Deuxième numéro, ça +243 89 88 77 333. Que le Seigneur bénisse Baïdnios, Bazo soutenir Bissodine Mano du Nôtre. Que la grâce, la paix du Seigneur soit accordée de loin ou de près au nom de Jésus. Amen.